Si vous connaissez l'auteur du livre « L'Afrique du XXIe siècle » paru en juillet 2005, vous connaissez Jacques Bonjahou, scientifique et auteur camerounais, né le 30 décembre 1960 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Ancien manager au siège de Microsoft à Redmond, Jacques Bonjahou a suivi des études secondaires et puis supérieures en classe prépa en maths sup et maths spé à Paris, où il obtient un diplôme d'ingénieur en informatique avant de s'installer aux Pays-Bas, embauché par Philips. En 1989, il rejoint l'université George Washington, où il obtient un MBA en finance. Quelques années plus tard, alors qu'il travaille pour le cabinet international PricewaterhouseCoopers en tant que chef projet informatique, il est débauché par le géant mondial de la tech Microsoft, où il est entre 1997 et 2006, directeur principal de programme pour le groupe Microsoft Network. En tant que manager à Microsoft, il fait partie de la délégation et de l'équipe d'organisation du voyage de Bill Gates en Afrique en septembre 2003. Il prononce un discours sur la technologie au service de l'éducation, notamment en faveur de l'université virtuelle africaine dont il fut le premier président. Lancée par la Banque mondiale en 1997, l'Université virtuelle africaine est une institution d'enseignement à distance basée à Nairobi qui vise à éduquer les Africains en utilisant les dernières technologies telles que l'Internet et les satellites. L'Université virtuelle africaine a proposé des cours à plus de 50 000 étudiants à travers l'Afrique, dont 40% sont des femmes. Le génie camerounais de l'informatique a été à l'initiative de nombreuses réalisations. Il est pionnier et porteur d'un projet de promotion de télémédecine en Afrique à travers sa structure Genesis Telecare, basée au Cameroun. Il est président et stratège en chef de Genesis Futuristic Technologies, une société de technologie de l'information basée à Seattle et opérant en Inde. À son passage, il glane de nombreux prix, au rang desquels le prix Technology in Government Award 2011, décerné par les Nations Unies, en partenariat avec le gouvernement de la Finlande pour son apport en technologie et télémédecine. Il est également lauréat du prix Turgot Mention Francophonie pour son livre « Révolution numérique dans les pays en développement », l'exemple africain, coédité par Dunot et Erfi. Un livre qui a connu un vrai succès de librairie. Le prix lui a été remis au ministère français de l'économie et des finances le 12 avril 2011. Il est également l'auteur des livres « Internet, une chance pour l'Afrique », Paris Kartala 2002, Mes années Microsoft, Un Africain chez Bill Gates, Cosmos Publishing 2006 et bien d'autres encore. Jacques Bonjahou a toujours milité pour le développement technologique en Afrique, à en juger par ses nombreuses productions littéraires, ses réalisations et son implication. Un modèle qui inspire encore et toujours de nombreux jeunes sur le continent africain et au-delà. BSK International. Outsource your software to Africa.